Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là, nos frères et nos sœurs, que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Mais bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur la deuxième mort, la première résurrection et la deuxième résurrection. Là, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. On va un peu essayer de les expliquer de nouveau, parce qu'on avait déjà parlé sur ça, je crois, dans le GEC. Nous allons essayer d'en parler. Nous allons prier, mes frères, s'il nous plaît, est-ce que nous pouvons fermer les micros pour ne pas qu'il y ait des interférences? Nous allons prier, mes bien-aimés. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as voulu que nous soyons ici présents pour exalter ton Saint-Nom, pour élever, Père éternel, ta grandeur. Nous te remercions, Père, de ce que tu pompes toujours autour de tes enfants afin de nous arracher de tout danger. Garde encore et toujours, Père, mes frères et mes sœurs, entre tes puissantes mains. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui connais les préoccupations, les soucis de tout un chacun. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, les attaques, les tentations, les persécutions de nos frères et sœurs de partout dans le monde. Il n'y a que toi qui nous viens en aide, Père. Nous te remercions, Seigneur Jésus, merci de ce que tu as voulu que nous puissions encore partager ta parole, que cette parole touche encore tes enfants, tes paroles touchent encore ceux qui ne connaissent pas ton nom, afin de devenir toi. Ton puissant nom se prépare et nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être encore ici présents. Nous allons demander à notre sœur Claudia d'entamer un cantique afin que nous puissions continuer. La sœur Claudia, j'espère que tu es là avec nous. Oui, frère Amandeau, Merci, ma sœur, t'es là, sa parole. nous allons adorer le Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là, mon âme t'élève. Mon âme t'élève, mon âme t'élève, car je sais que tu es là, mon âme t'élève, mon âme
t'élève, mon âme t'élève, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car Bon, je bienvenue dans la vie. Tu es là, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, Jésus ne change pas, Jésus Ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est Jésus, Ne change pas. le roi des rois, Jésus, Le roi des Alléluia, Jésus, rois. Jésus, le roi il est mon des papa, rois. il est Toujours le même, Jésus, le nous chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, mon papa, il est il est toujours le le même, même. Jésus Jésus ne ne change change pas, pas. il Il est est toujours le le même. même. Jésus Jésus ne change pas. ne change Chantons, Alléluia, chantons, pas. Jésus ne change Alléluia. Chantons, pas. Alléluia. Pas, il Il est est toujours le le même. Jésus Jésus ne ne change change pas. pas. Jésus, le Dieu vivant, Jésus, 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 le vivant. il est mon sauveur, Il il est toujours est le le même. même, Jésus Jésus, ne change pas. le Tout-Puissant, Jésus, Le Tout-Puissant, Tout-Puissant. Alléluia, Jésus, Jésus, le Tout-Puissant, il est mon sauveur, il est il est toujours le même, Jésus, le même. Jésus ne change pas. chantons, Alléluia, Chantons, chantons, Alléluia, Alléluia. chantons, Alléluia, Chantons, Alléluia. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. Gloire à Amen. Jésus. Merci, merci la sœur Claudia. Que le Seigneur soit béni encore et toujours. Merci à toutes les sœurs, tous les frères ici présents. Que le Seigneur vous bénisse. Mais est-ce qu'on peut fermer nos micros? Comme nous disons toujours, mes frères, les micros, fermons-les pour ne pas créer des interférences. Mais bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la première résurrection et la deuxième mort. Alors, bon, nous comprenons que ça fait parfois beaucoup de confusion quand nous parlons de ces choses, mais il faut comprendre, mes frères, que dans la Bible, il y a eu des dispensations. Dans la Bible, il y a des dispensations.
Alors, quand la Bible parle de la deuxième mort, la première résurrection, dans le livre de l'Apocalypse, parce que c'est la dispensation après la grâce. C'est-à-dire qu'il y a des dispensations. La grâce, c'est toute une dispensation. Ça va, mes frères? C'est toute une dispensation. Quand l'enlèvement de l'Église se fera, il y a une dispensation qui va suivre là-bas. C'est dans cette dispensation qu'on parle de la deuxième mort. Mais en fait, on va comprendre que les résurrections ont toujours existé dans la Bible avant même que la grande tribulation. Donc, avant la grande tribulation, il y a des résurrections. Mais après la grande tribulation, il y aura aussi les résurrections. Alors ici dans la Bible, quand le livre de l'Apocalypse parle de la deuxième mort, la première résurrection, on fait allusion dans de la dispensation après la grande tribulation. C'est très important. Donc, à ne pas confondre. À ne pas confondre du tout. Parce qu'il y a des frères qui nous posent ces questions, frère Amand, mais comment, il y a combien des enlèvements dans la Bible? Il y a combien des résurrections? Pourquoi il y a la première? En fait, cette première n'est pas dans le sens de toute la Bible depuis la création jusqu'à l'Apocalypse. Non, on parle uniquement de l'Apocalypse. On ne fait pas allusion à toutes les dispensations, à ne pas confondre. À ne pas confondre. C'est la même chose avec en fait, l'enlèvement. Mais Élie est monté, a été enlevé. Énoch a été enlevé, mais il y a combien des enlèvements? Non. Quand on parle de la première résurrection et la deuxième, on fait allusion à la dispensation qui nous mène après la grande tribulation, c'est-à-dire que nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Ça va, mes bien-aimés. À ne pas confondre ces choses, parce que nous savons que le jour de l'enlèvement de l'Église, il y aura la résurrection des prémices. Quand il y a la résurrection là-bas, les vierges sages sont parties. Mais il y a ceux qui vont rester, parce que quand la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est-à-dire que ils vont ressusciter. Mais il y a ceux qui vont rester encore dans les sépulcres. C'est pas la résurrection de tout le monde. C'est seulement ceux qui sont morts en Christ qui vont résister. Mais certains vont rester dans les sépulcres pour attendre alors le jugement. Donc, quand la Bible parle de la deuxième mort, elle fait allusion alors à l'étang de feu. C'est aussi une mort. L'étang de feu, c'est la seconde mort. On va lire ça, mes frères, dans la Bible afin que nous puissions comprendre. Alors, donc, on ne va pas confondre les dispensations. Les dispensations de la Bible. Faut pas les confondre. Ici, on nous parle d'une dispensation. Alors, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Prenons Apocalypse, nous sommes dans le chapitre 20. On va faire la lecture du premier au dixième verset. Apocalypse chapitre 20, du premier au dixième verset. Apocalypse 20, du verset 1 à 20. La Bible déclare: Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu
et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Merci, mon bien-aimé, que le Seigneur soit béni. Mes frères, ici, la lecture que le frère vient de faire nous démontre que quand on parle dans cette dispensation, on souligne ça, pour ne pas qu'il y ait des confusions. Dans cette dispensation, quand on parle de la première résurrection, il s'agit de la résurrection des martyrs. C'est-à-dire que les martyrs, ce sont les 144 000 d'Israël, c'est-à-dire les Israélites, et les vierges folles. C'est-à-dire que ceux qui seront décapités dans toutes les nations de la terre. C'est leur résurrection qui est appelée la première résurrection dans cette dispensation. Donc, si nous pouvons reprendre tous le verset 5 et 6, nous sommes tous dans Apocalypse chapitre 20, prenons 5 et 6. Versets 5 et 6, la Bible déclare: Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6, Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, Amen. c'est voilà. Donc, mes bien-aimés, comprenons que nous sommes en train d'attendre le Seigneur. Quand le Seigneur revient, il vient prendre les vierges sages. Les vierges sages sont parties. Attention, ce n'est pas la fin du monde. Ça, ce sont des choses que nous répétons. L'enlèvement de l'Église n'est pas la fin du monde. Le monde continue. Puisque le monde va continuer, alors les sages sont partis. Ceux qui vont rester sur la terre vont vivre la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, il y aura alors la décapitation ou la tuerie des chrétiens qui vont refuser la marque de la bête. Les vrais qui vont refuser la marque de la bête, ils seront tués. Et qui seront tués là-bas, ce sont les 144 000 d'Israël et les vierges folles. J'espère que ça, ce sont les enseignements que nous donnons déjà. Je ne vais pas entrer en profondeur. Je suis en train de prendre juste les choses superficielles parce que vous connaissez ces choses. Quand ces personnes-là, ces deux groupes de personnes vont alors mourir, le gouvernement mondial va continuer. Cependant, le retour triomphale de Christ, qu'il y aura alors la résurrection. C'est cette résurrection qu'on appelle par la première résurrection. C'est uniquement pour ceux qui sont morts dans le Seigneur.
Ils vont ressusciter. S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut fermer les micros? Il y a des échos, hein? Fermons les micros, mes bien-aimés. Donc, c'est cette résurrection qui est ici appelée par la première résurrection. C'est uniquement pour les martyrs de la foi. C'est eux qui vont ressusciter. Mais qu'est-ce qui va causer leur résurrection? C'est le tremblement de terre. C'est-à-dire que quand le Seigneur va revenir, il viendra se poser sur la montagne et il y aura tremblement de terre. C'est tremblement de terre qui va causer alors la résurrection des martyrs de la foi. Nous sommes dans Zacharie, hein, pour ça. J'espère qu'on avait déjà parlé sur ça. Nous sommes en train de faire la répétition, mais on a déjà parlé sur ces choses. Nous sommes dans Zacharie. Prenons nos Bibles dans Zacharie, mes bien-aimés. Partons dans Zacharie afin de voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Zacharie, on va chercher cela, mes frères. J'espère qu'on avait déjà parlé sur ça avant même que nous puissions arriver ici. Nous sommes dans le chapitre 14. Nous sommes dans le chapitre 14, le verset, commençons à partir du verset 3. Zacharie 14, verset 3. La Bible déclare: L'Éternel paraîtra, il combattra ses nations, mais il combat au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Uzias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. Le verset 9. Amen. Verset 9. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Le verset 12. Verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Ah, Jésus. Mais ce sont des choses que nous expliquons déjà. Vous pouvez faire la lecture à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps. On a déjà expliqué ces passages. C'est-à-dire que après l'enlèvement de l'Église, il y aura le retour des vierges sages. Parce qu'il ne faut pas croire que quand le Seigneur vient prendre des vierges sages, nous sommes partis au paradis et on va rester éternellement au paradis. Non. On va revenir sur la terre. C'est ça qu'on appelle par le retour triomphal de Jésus dans Jérusalem. Il va revenir. Quand le Seigneur reviendra, il viendra se poser sur la montagne qu'on a lue. Et ça va créer un tremblement de terre. Ce tremblement de terre va causer la résurrection des martyrs. Les martyrs, ce sont les vierges folles et les 144 000 d'Israël, c'est-à-dire les Israélites. Je pèse sur ça parce que on avait déjà corrigé cet enseignement qui dit que les 144 000, ce sont les Juifs. Nous disons non, ce ne sont pas seulement les Juifs, mais ce sont les Israélites. Parce qu'il y a une différence entre un juif et un israélite. On avait déjà parlé sur ces choses. J'espère que
Vous les connaissez fort bien, mes bien-aimés. Donc, ce sont les Israélites, les 144 000, qui vont résister. C'est là qu'on parle de la première résurrection par rapport à cette dispensation. Alors, tous ceux qui vont ressusciter à la première résurrection, ils ne peuvent pas aller dans la deuxième mort. La deuxième mort ne signifie pas réellement dire la deuxième mort. La deuxième mort, selon le livre de l'Apocalypse, signifie l'enfer. Ça va, mes frères? La deuxième mort signifie l'enfer. C'est ça qu'on appelle la deuxième mort. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, toujours. On va prendre maintenant le verset 12, le chapitre 20. Prenons le verset 12 à 14. 12 à 14. Apocalypse 20, versets 12 à 14. La Bible déclare: Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Amen. Le verset 15. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Amen. Donc, mes bien-aimés, ici la Bible est claire de nous dire que la seconde mort, c'est le temps de feu. Donc, la seconde mort ici ne signifie pas dire réellement, bon, les gens vont mourir, non. La seconde mort, c'est l'étang de feu. C'est uniquement pour tous ceux qui vont mourir sans le Seigneur Jésus. Ceux qui vont mourir sans avoir Christ, c'est eux qui vont attendre la seconde mort. Dans la seconde mort, c'est l'étang de feu. C'est la punition éternelle. Et ça, la seconde mort. Ça va, mes frères? Donc, quand il y aura l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire que dans la dispensation de la grâce, tous ceux qui vont mourir sans la parole du Seigneur, sans la grâce du Seigneur, sans le Saint-Esprit, sans la miséricorde de Dieu, c'est fini. C'est fini. Enlevez les idées de purgatoire, comme vous dites là-bas dans l'Église catholique, purgatoire. Ceux qui sont morts peuvent être encore rachetés. C'est fini. C'est fini. Quand quelqu'un meurt, tu es enterré, tu attends alors la seconde mort, c'est fini. C'est fini, mes frères. Il n'y a plus ce qu'on dit là-bas dans ces églises-là, telles que chez les Mormons. Quelqu'un est déjà mort, ça fait déjà plusieurs années, alors vous pouvez être baptisé. Pour le sauver, lui qui est déjà là-bas. Non, c'est fini. Ils vont attendre la deuxième mort, c'est-à-dire le temps de feu. C'est la deuxième mort. Donc, selon le livre de l'Apocalypse, la première résurrection, c'est la résurrection des martyrs. La deuxième mort, c'est le temps de feu. Donc, ceux qui vont ressusciter à la deuxième résurrection, ce sont les païens, ceux qui n'ont pas le Seigneur. C'est eux qui vont résister pour être jugés et directement aller dans le temps de feu. À ne pas confondre, mes bien-aimés. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14. Prenons le verset 13. Quatorze, treize. Apocalypse 14, verset 13. La Bible déclare: Et j'entendis du ciel une voix qui disait:
écrit: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, que leurs œuvres les suivent. Amen. Voilà, Jésus. Donc ici, quand la Bible parle dans le livre de l'Apocalypse, que heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, on fait allusion aux martyrs de la foi. Ici, nous ne sommes pas dans, en fait, dans la dispensation de la grâce. Ici, c'est après. Ici, c'est ceux qui vont mourir pendant la grande tribulation. Là, nous sommes dans le cinquième sceau. Le cinquième sceau, c'est la mort de ceux qui auront gardé la parole du Seigneur. Les vierges folles et les 144 000. C'est à eux qu'on dit ici, ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire ceux qui vont trouver la mort par le moyen de la grande tribulation, mais qui sera causée par le cinquième sceau. Nous sommes tous dans l'Apocalypse, on va prendre le chapitre 6. Prenons Apocalypse chapitre 6, nous sommes dans le verset 9. Apocalypse 6, verset 9. La Bible déclare: Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. Vas-y, continue. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ici, Verset on 12. parle des martyrs. Ça va, non, mes frères? On avait déjà parlé sur ça. Ici, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est eux qui vont ressusciter pendant la première résurrection pour hériter le camp glorieux et entrer dans le millénium. Ça, c'est la première résurrection. À ne pas confondre avec la résurrection des vierges sages. À ne pas confondre. La première résurrection, c'est la résurrection des martyrs de la foi. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, on va prendre le verset 11. Apocalypse 2, verset 11. La Bible déclare: Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà, Amen. Jésus. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. En d'autres termes, celui qui va traverser la grande tribulation en vainqueur avec le Seigneur, dont le Seigneur, gardant la foi, n'ira pas en enfer. Donc ici, on s'adresse à ceux qui sont dans la grande tribulation. Donc, pendant la grande tribulation, il y aura des chrétiens qui vont traverser cette époque, l'époque la plus difficile de toute l'humanité. C'est la grande tribulation. Ceux qui vont traverser là-bas. Alors, ceux qui vont traverser la grande tribulation, c'est eux alors qui seront récompensés par le Seigneur. Parce qu'ils vont traverser la grande tribulation dans la foi. Ce sont les martyrs. C'est eux qui seront alors récompensés. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Apocalypse 7, le verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Comment ça, verset 9, mon bien-aimé?
Verset 9, et tu descends. Apocalypse 7, verset 9. La Bible déclare. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Verset 12. En disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus d'orbes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Gloire à Jésus. On peut continuer, mon bien-aimé. Le verset 15, c'est pour ou quoi? C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne fera point, ni aucune chaleur. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Bon, mais ici, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. J'espère qu'on avait déjà expliqué plusieurs de ces choses. C'était juste pour vous démontrer que ceux qui viennent de la grande tribulation, ce sont ceux qui vont recevoir alors leur robe blanche. En d'autres termes, qui vont recevoir la rédemption, la miséricorde, la sainteté, la sanctification, parce qu'ils vont traverser cette période. Après avoir abandonné le Seigneur, les vierges folles et les 144 000, ils seront sauvés et ils vont venir dans notre temps. C'est ça qu'on appelle la première résurrection. Donc la première résurrection, c'est uniquement pour les martyrs de la foi. Et la deuxième résurrection, c'est pour ceux qui seront alors envoyés dans la punition éternelle, qui est la seconde mort. Donc ça, c'est la dispensation que nous avons ici dit, mes bien-aimés, à ne pas confondre avec la période d'avant la grande tribulation. Rien à voir. Ici, c'est pendant et après la grande tribulation que va se passer alors toutes ces choses. J'espère que nous avons déjà expliqué à l'Église que l'Église, c'est-à-dire que les vierges sages ne peuvent pas passer la grande tribulation parce que c'est le temps de la colère. C'est le temps où le Seigneur va châtier les nations. C'est le temps où le Seigneur va frapper la mauvaise semence. Donc, il n'y a pas moyen que les vierges sages traversent cette période. Mais le Seigneur va permettre à ses enfants rebelles de traverser cette période afin de les corriger, afin de les redresser de la manière qu'ils reviennent alors vers lui. Et on avait déjà dit que c'est pendant cette période que les deux oints seront envoyés en Israël pour alors sauver, racheter les 144 000 qui y seront, que nous appelons aussi ici les martyrs de la foi d'Israël, qui sont les 144 000 Israélites qui vont recevoir alors l'évangile de la grâce afin d'être sauvés et venir avec nous dans le corps glorieux pour que nous puissions hériter le millénium.
Voilà, mes bien-aimés, donc que ce terme ici ne fasse pas de confusion parmi les enfants de Dieu. Nous allons prier, mes frères, après nous allons pouvoir vous laisser les questions s'il y en a, pour que nous puissions encore entrer en profondeur. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ et ce que tu gardes pour tes enfants. Aide-nous, Père, à comprendre encore tes Écritures afin de marcher avec, parce qu'il n'y a que toi qui peux nous aider. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Béni garde, Père, augmente intelligence, sagesse, connaissance, discernement, afin de mieux marcher selon ta doctrine. Ton puissant nom, nous prions, nous disons. Amen. Mais je vous remercie pour être patient à ce partage. J'espère que le frère Barnes qui nous avait posé cette question peut s'y retrouver par rapport à ce que nous avons dit. S'il y a des questions à poser, nous pouvons toutefois les poser avant d'arrêter notre enregistrement. La sœur Edwige. Oui, bonsoir frère Amando. Nous avons la sœur Mabiala qui avait posé une question dans le chat. C'est quoi une dispensation? Je ne sais pas si elle a eu sa réponse. Voilà, Sœur Fernandez. mais en fait, une dispensation, c'est le fait d'être dispensé, de répartir. C'est comme à l'école, non? Vous étudiez, en fait, à l'école, et vous êtes un bon étudiant, et pendant les périodes d'examen, le professeur vous dispense. C'est-à-dire que le professeur dit, bon, vous êtes déjà assez intelligent par rapport à ces épreuves, vous avez déjà atteint la moyenne ou vous êtes déjà prêt pour affronter les autres défis. Donc, je vous dispense par rapport à cet examen. En d'autres termes, vous n'allez plus passer cet examen, vous avez déjà complété le niveau qu'il fallait. On vous dispense. Donc, la grâce également, c'est une dispensation. Donc, le temps de la loi est une dispensation. Quand le Seigneur vient, il met fin à ça. Voilà pourquoi le frère Paul nous dit que Christ est la fin de la loi. Parce que c'est une dispensation qui est déjà passée. Et nous entrons dans une autre dispensation. Et cette dispensation, s'il va passer, viendra une autre et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle les dispensations, c'est-à-dire que les répartitions. Le changement d'ordonnance, le changement des doctrines, c'est ça la dispensation. La sœur Edwige. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Salut, frère Catalan. En fait, j'ai une question qui date depuis, mais bon, je n'avais pas encore eu l'occasion de poser ça. En fait, c'est sur le retour, la partie qui dit que le Seigneur va revenir avec son armée et les premiers qui seront morts dans le Seigneur ressusciteront là. Et bon, enfin, toute l'armée du Seigneur, en fait. Et moi, je me posais toujours la question de savoir comment est-ce que ceux qui sont ressuscités là, comment ils vont affronter les vivants qui sont en train de faire la guerre? Comment est-ce qu'on peut faire la guerre alors qu'on n'a même plus un corps corruptible? Donc, c'est la partie là que je n'ai pas compris. Et ça, bon, en fait, je me dis toujours, ça sert à quoi de faire la guerre avec quelqu'un qui ne peut même plus mourir? En fait, c'est ça que je n'ai pas pu comprendre depuis là. Donc, c'était ça ma question, vraiment. Bon, si peut-être j'étais bien saisi, mon bien-aimé, je vais répondre. Si je n'ai pas bien répondu à ta question, voilà, faut-moi si. Quand le Seigneur va revenir, c'est pour venir. Attention, quand je parle de revenir, c'est dans la dispensation de la grâce. Le Seigneur revient. C'est pour venir prendre les vierges sages. Les vierges sages seront divisées. Certains vont déjà mourir, certains seront encore vivants. Quand il revient, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Mais les vivants, les sages, vont monter dans les airs. Mais attention, dans l'Apocalypse, le retour triomphal là-bas, il va revenir avec
les armées des cieux. C'est-à-dire que nous allons revenir sur terre et il va revenir avec le cortège céleste. Là, nous sommes dans Apocalypse, non? Si on peut lire ça pour que ça soit encore clair. C'est ça qu'on appelle par l'entrée triomphale hein, de Jésus. Donc, Jésus ne sera pas seul. Hein? Christ ne sera pas seul. Il sera accompagné avec le cortège spirituel. Nous sommes dans Apocalypse. Alors, nous allons chercher ça. Nous sommes dans Apocalypse. On va prendre le chapitre 19. Commençons à partir du verset 11. Puis on descend verset 16. Hein? Apocalypse, chapitre 19, le verset 11 à 16. Apocalypse 19, versets 11 à 16. La Bible déclare: Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge le combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il allait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà, Jésus. Mais, donc c'est ici que nous étions en train de dire quand il va revenir avec le cortège céleste. C'est ça qu'on appelle par les armées qui sont dans le ciel. Donc c'est tout le cortège céleste, le cortège spirituel qui va revenir avec le Seigneur. Et on va prendre Zacharie chapitre 14. Ses pieds se poseront sur la montagne. C'est là qu'on va dire que tout œil le verra parce qu'il va revenir en lion pour détruire le gouvernement mondial. Alors, ce combat qui est appelé la guerre d'Armageddon, c'est le Seigneur qui va alors détruire le système satanique. C'est là que le diable sera enchaîné et envoyé dans l'abîme. Donc, c'est un combat qui est spirituel de notre camp, que le Seigneur va anéantir la force satanique. C'est là qu'il va encore dépouiller le diable de ses forces ici sur la terre. On va l'enchaîner et on le met en prison pour 1000 ans. Et nous allons rester sur la terre pendant 1000 années de règne du Seigneur. C'est là que les disciples de Christ vont gouverner sur la terre. Donc nous allons gouverner sur la terre avec le Seigneur. Le Seigneur sera ici sur la terre dans la ville de Jérusalem. C'est là que Jérusalem sera la ville capitale mondiale. Et toutes les nations de la terre vont reconnaître que réellement Christ est le roi de toutes les nations. Donc, nous, chrétiens, les disciples de Christ, qui avons combattu avec Christ, voilà pourquoi on parle du combat spirituel. Nous serons récompensés. C'est là que le Seigneur va récompenser les justes. Voilà pourquoi le frère Paul dira que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alors, la récompense m'attend, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont vaincu. Donc, nous allons gouverner sur la terre. On va gouverner sur la terre avec Christ jusqu'à 1000 années. Et après, le diable sera encore relâché. On avait déjà parlé sur ces choses. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Hein?
Il sera encore relâché pour causer alors la guerre de Gog et Magog. C'est là que maintenant il y aura la guerre finale. C'est alors qu'il est envoyé avec tout son armée dans les temps de feu. Et c'est fini. On va alors entrer dans l'éternité. Bon, ce sont des étapes hein, qui sont là-bas, mais on avait déjà parlé sur ça. Vous connaissez ça? On est juste en train ici de faire la répétition, mais ce sont des choses que vous connaissez déjà. Frère Catalan, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Si encore quelques soucis, tu peux encore reposer à la question. Oui, bon, donc ce qui veut dire que ce soit dans la guerre d'Armageddon, ben la guerre de Gog et Magog, c'est tout ça, c'est spirituel. Les Non. vont combattre du côté du Seigneur, mais de manière spirituelle, pas physiquement. Très bien. Non, Même maintenant, à il la. faut savoir que Bien. de leur côté, ça sera physique. Mais dans notre côté, c'est spirituel. Parce que Jérusalem sera attaquée physiquement. On va attaquer Jérusalem physiquement, mais le Seigneur va réagir spirituellement. Donc, c'est une guerre qui sera physique du côté des nations, mais spirituelle du côté du Seigneur. Et le Seigneur va détruire toutes ces personnes. Le Seigneur va les envoyer dans le lieu des tourments physiquement. Vous voyez ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse, quand le Seigneur ouvrait la terre et la terre engloutissait les personnes. Voilà. Le Seigneur va envoyer plusieurs personnes vivant dans l'enfer. Plusieurs personnes vivant dans la seconde mort. Donc, ça sera une guerre, premièrement, côté physique et spirituel. Premièrement, c'est la guerre d'Armageddon. Après la guerre des Gog et Magog, qui sera la guerre finale. La sœur. D'accord, merci. Merci beaucoup, j'ai compris. Alors, la sœur Edwige. Oui, merci frère Armando. Nous donnons la parole à Papa Belvon. Oui, bon, bonsoir, bonjour, mes bien-aimés. Soyez Oui, mon bénis. ami. Bonjour. Oui. Mon fils frère, je voudrais connaître que représentera, comment dire, Gog et Magog. Le moment venu, que représentera Gog et Magog en ce moment où nous vivons, donc dans le siècle présent où nous sommes, et seront les pays qui seront Gog et Magog. Voilà. Bon, mais bien, j'espère qu'on avait déjà fait un enseignement sur ça. Gog et Magog. Donc, dans la Bible, nous avons deux représentations des Gog et Magog. Premièrement, c'est dans Ézéchiel, chapitre 38 et le chapitre 39. On nous présente là-bas Gog et Magog. Mais ici, c'est Gog et Magog de l'Apocalypse. Parce qu'il faut comprendre que ce qui est dit, le message d'Ézéchiel était un message prophétique. Donc, dans Ézéchiel, Gog et Magog, ce sont des pays qui sont aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui. On avait déjà parlé sur ça, non? On a parlé des Gog, on avait parlé de la Russie, on avait parlé des Toubal. Ce sont quelques pays européens qu'on avait déjà présentés sur la carte, selon la prophétie d'Ézéchiel. Mais dans l'Apocalypse, Gog et Magog, c'est l'ensemble de toutes les nations païennes. C'est-à-dire que dans l'Apocalypse, Gog et Magog présentent la semence de Satan. Toutes les nations païennes qui acceptent de servir Satan, tous ceux qui vont accepter de servir le diable, alors, ils vont donner une naissance, une descendance, une généalogie qui va porter la semence satanique. Cette semence satanique dans l'Apocalypse est représentée comme Gog et Magog. Donc, dans l'Apocalypse, Gog et Magog signifie la race satanique. C'est cette race-là que le Seigneur va détruire et va emmener dans la seconde mort. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Mais dans les prophéties d'Ézéchiel, Gog et Magog représentent les principautés
que la carte est ici. Je vais vous donner la carte afin que vous voyez que c'était quelques principautés, quelques pays européens qui présentaient Gog et Magog dans la prophétie. Ça va, mes bien-aimés. Moi, je ne sais pas si ma belle-voix m'a bien saisi. Hein. Oui, Ça c'est va. bon. Merci. OK. Ah, juste. La sœur Edwige. Oui, merci. Nous donnons la parole à notre sœur Maria. Merci, sœur Edwige. Frère Amandose, ma question était, bon, c'était par rapport à ce que tu viens de dire. Si nous, comme nous sommes chrétiens, donc ce qui est plus important pour nous, c'est quand Jésus va revenir pour chercher une vierge sage, que nous soyons là, parce qu'après le reste, ça sera seulement notre triomphe par rapport à ce que tu viens de dire. Voilà ce que je voulais ajouter. Non, mais Donc oui, nous effectivement, sommes. c'est ça. Non, effectivement, c'est ça. Parce qu'il faut d'abord comprendre que l'Église qui est une vierge pure, mais est divisée en deux. Si on va aussi prendre Israël, on va prendre la troisième partie. Mais dans la parabole des vierges sages, on nous présente une seule Église vierge, mais qui est divisée en deux, que nous avons les sages et les folles. Alors quand le Seigneur revient, il vient prendre les sages. Les sages sont partis. Donc, le problème que nous avons n'est pas seulement d'être chrétien. Bon, je suis chrétien, non. C'est vivre selon le modèle de Christ. Parce que nous ne savons pas qui sont les vierges sages et qui sont les folles. On ne les connaît pas. Pour l'instant, nous ne les connaissons pas. Mais nous les connaîtrons quand le Seigneur reviendra. C'est là que, pouf, nous sommes partis au Seigneur, avec le Seigneur dans son palais. Et le monde continue. Pour ceux qui vont rester pour traverser la grande tribulation. Mes frères, quand on parle de la grande tribulation, apparemment, c'est une chose facile à écouter. Hein? La grande tribulation, c'est facile à écouter ça, mais c'est une période très difficile. Hein? Depuis que le monde a commencé, jusqu'à cette époque-là, ça sera l'unique époque la plus difficile de toute l'humanité. De toute l'humanité. Voilà pourquoi le frère Jean-Baptiste va dire comme ça. Il va dire ainsi. Écoutez ce que le frère va dire. Le frère Jean-Baptiste va dire ainsi. C'est la période la plus difficile de toute l'humanité. Écoutez ce que le frère Jean-Baptiste va dire. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Matthieu 3, commençons à partir du verset, voilà. Voilà, 7. Matthieu 3, le verset 7, et on va descendre jusqu'au verset 10. Matthieu 3, versets 7 à 10. La Bible déclare: Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9. Ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bon fruit, sera coupé et jeté au feu. Voilà, Jésus. Mais est-ce que vous voyez ce que le frère Jean-Baptiste est en train de dire aux pharisiens et aux sadducéens? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? En d'autres termes, qui vous a parlé de la grande tribulation? Parce que la colère à venir, c'est la grande tribulation. Là, le Seigneur n'aura plus de pardon. Aujourd'hui, il est l'agneau. Voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Nous sommes dans la grâce. Il est l'agneau aujourd'hui. Mais là-bas, c'est fini, hein, mes frères. Là-bas, c'est le rugissement du lion. C'est là où qu'il fera alors retentir les tonnerres. Là-bas, c'est fini. C'est fini. Et on va rentrer dans
la grande fête, on va rentrer dans la guerre d'Armageddon. Voilà pourquoi la Bible dira qu'il était habillé d'un vêtement teint de sang. Là-bas, il n'y a plus de pardon, c'est fini, il n'y a plus de pardon. C'est la colère à venir. Donc, nous, chrétiens, disciples de Christ, nous avons encore le temps, aussi longtemps que tu es vivant. Il faut préparer les choses. Faut jamais se dire, non, bras croisés, non, moi je suis déjà sauvé. Faut pas dire ça, mes frères. Il ne faut pas se confier à cet évangile-là. Je suis déjà sauvé, bras croisés. Non, il faut vivre dans la sanctification. Il faut connaître le Seigneur. Parce que le temps difficile arrivait. Mes frères, je vais répéter ça. Dans peu de temps, il n'y aura plus des enseignements dans les réseaux sociaux. On va fermer ça. On avait déjà dit ça, mes frères. Il n'y aura plus les enseignements de Jésus-Christ dans les réseaux sociaux. On va fermer ça. Personne n'aura plus le courage de venir enseigner dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Mais parce qu'avant d'enseigner dans les réseaux sociaux, il faut acheter l'Internet. Mais or, le temps arrive, avant d'acheter, il faut avoir la marque de la bête. Avant d'acheter à manger, il faut avoir la marque de la bête. Le temps arrive que même l'argent sera digital. Il n'y aura plus les billets des banques. Le temps arrive. Tout sera digital. Donc le temps arrive, nous chrétiens, nous n'aurons plus le temps de vivre ici sur la terre. Il n'y aura plus la place pour nous. On va compliquer toutes les choses. Et cela va rendre les choses difficiles. C'est là que le Seigneur doit venir prendre son Église. Et comme il a fait au temps de Lot, Lot n'arrivait plus de vivre à cette période parce que c'était des trop. C'était des trop. Il fallait prendre alors sa serviteur. Nous approchons à cette époque-là. La grande tribulation, c'est la colère à venir. Hein, mes frères? La sœur Edwige. Sœur Edwige. Oui, frère Armando, nous donnons la parole à notre sœur Émilie. Oui, bonsoir tout ensemble. Ce n'est pas une question, mon frère Armando. C'est juste pour appuyer ce que la sœur Marie a dit. Nous devons tout faire pour regarder plus à l'avènement de notre Seigneur ou l'enlèvement de l'Église de la Vierge Sage, je crois. Et j'avais juste un petit chant, je ne sais pas si c'est l'hymne. On parle d'une hymne ou un hymne, je ne sais pas, mes frères. Donc, juste un petit chant pour nous amener à regarder vraiment ce qui est en haut et persévérer jusqu'à la fin, qu'importe ce que nous traversons. Tu veux le chanter? Vas-y, vas-y, ma sœur. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs, tout éclatait, plus d'ombre funeste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas, dans la douleur, tout ce trésor nous reste. La cité céleste, connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul est son soleil et son éclat est sans pareil. Illumine et vivifie la cité céleste. D'or, de perles et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeau à jamais,
Pour tous les élus, toutes ces paix de Dieu, la cité chérie est notre patrie. Connais-tu cette cité, la cité bénie? Dans ses murs tout éclaté, plus d'ombre funeste. L'agneau seul est sans soleil, et son éclat est sans pareil. Illumine et vivifie la cité céleste. Ô Salem, ville du grand roi, nos cœurs te désirent. Après son chef, son époux, l'Église soupire. Être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire nos cœurs te désirent. Ô Salem, repos si doux, nos cœurs te désirent. Après toi, nous aspirons, notre chef époux. Être toujours devant toi, contemplons ta majesté, pour te bénir et te louer, te glorifier, notre Dieu. Pour te chanter et te dire nos cœurs te désirent. Amen. Stay focused.